Salut à tous et bienvenue sur Europa Universalis 4 avec notre première vraie guerre en Europe. D'ailleurs, ils abusent un peu, mes mecs là, faudrait qu'ils fassent un peu plus le ménage. Alors, on en est où ici? Est-ce que les 60 000 hommes sont en train d'arriver? Les céréales, on s'en fout, sincèrement. Donc, le but, ça va être de vassaliser Aragon. Voilà, normalement, on occupe vraiment tous les terrains. Hop, encore une fois. Là, on devrait s'occuper... Oh, punaise. Non, là, franchement, il se fout de ma gueule, le mode Iron Man. Ah, je pense qu'il est reparti. Voilà. Ok, on va prêter 1000 hommes en bas. Et normalement, le Congo, c'est fini pour eux. Oui, c'est local, donc c'est bon. L'Allemagne, ok. Là, il y a 80 navires qui débarquent 40 000 hommes. Ah ouais, quand même. Ils débarquent 40 000 hommes. Viens au contact. Quoique, attends. Avant de partir au contact, prendre les troupes. Est-ce qu'on a un chef? Il m'en faut un de plus. Donc, on va les péter avec cette armée-là. J'ai pas besoin de l'oracle, donc je vais juste perdre un peu de prestige. Les droits de douane mondiaux, c'est bon. On va convertir une nouvelle province. Mec, tu vas quand même pas viser mes 3 soldats. Putain, mais t'abuses, quoi. Bon, j'ai prévu le coup, c'était au cas où c'était moi qui visais. J'ai préféré virer mon armée. La Galice s'est tombée. Ah, mais c'est vrai que j'avais oublié la Savoie. Je peux peut-être vassaliser la Savoie aussi. Hein. Est-ce que j'ai des problèmes là-dedans? Pas plus que ça. Ça devrait rester largement supportable. Je vais en ramener une deuxième armée pour pouvoir faire toute la Savoie. Oui, moi quand je me lance dans une guerre, j'y suis vraiment à fond. Ça, il faut que les gens le sachent. On ne fait pas de demi-mesures. On fait que des demi-pays. Hop, Savoie. Savoie ou Savoie pas? Ah bah en plus j'ai chopé la flotte. Là c'est occupé par l'Espagne. Par contre du coup je m'occuperai bien de tes troupes par ici. De prendre tout le littoral là serait pas mal. Est-ce que je peux libérer une province, pas une nation ici? Les Jolof. Non en fait on peut pas les libérer, ils sont déjà là. Par contre, en fait, ça c'est une cible un peu intéressante, c'est en finir avec le sud. Avec l'Afrique du Sud. Burgos, oh putain. Qui c'est qui m'a dit que j'allais avoir internet ce week-end? Il y a un mec qui s'est foutu de ma gueule. Hein. Internet ça n'existe pas. Hein. Ça se saurait sinon. Flotte d'or. Allez. Bon, je vais encore faire planter le jeu. Allez, un petit retour Windows. Et une chance sur deux que ça plante.
Bah, je vais arrêter là. Et on fera un montage. Ciao! Re. Bon, j'espère que cette fois-ci, on va réussir à tourner. Parce que ça commence à me gonfler de devoir m'arrêter parce qu'à chaque fois, j'ai des soucis. En ce qui concerne là, il faudrait que je renvoie des troupes. Ah ouais, donc du coup, j'ai eux qui doivent arriver là. Et ensuite, ils vont arriver ici. Là, c'était réglé. Et en Savoie. Et j'ai commencé l'invasion de la Savoie. Eux, faut aussi qu'ils se ramènent en Savoie. Ensuite, je vais devoir commencer l'invasion de plein de petits trucs. Là, normalement, on va juste les pulvériser sans souci. La paix, je l'ai signée là-bas, au fait. Ouais. Les provinces nationales sont lancées, donc il n'y a plus qu'à attendre. Et ici, j'ai une bataille navale. Foutage de gueule, je l'avais chopé tout à l'heure. Le 14 septembre. Ouais, c'est ça, profiter. Normalement, leur flotte, je l'avais atomisée et chopée. Et si je chope cette flotte-là, je suis tranquille après. Bon, bah c'est pas grave, il va directement au sud. Choper le Portugal là-bas. Ici. Faut que je continue mon déploiement. Toi tu passes là, toi tu passes là. Mbemba, et bah c'est réglé. Passer directement là. Remarque, est-ce que je tente de vassaliser le Congo? Non. Je vais pas vassaliser le Congo, ça sert à rien. Là, il y a la France révolutionnaire qui se fait plaisir. Ils sont en train de tuer la Bourgogne. Toi, tu vas là. Toi, tu vas ici. Tac, tu vas à Wallis. Sincèrement, vous avez des soldats quelque part, les mecs? Vous comptez vous battre un jour ou pas? Palatina. Je suis en guerre contre Palatina? Non. 2, 3. Un là. Un là. Ah, ça suffit. J'ai pas envoyé assez d'hommes. Bon, bah toi, ramène-toi vite là. La Savoie, mais ils sont partout, la Savoie. Alors. Mes navires, ils prennent du temps, mais ils vont arriver. Toi, t'es dans quel groupe, toi, au fait? T'es dans quelle zone, toi? Rien du tout de particulier. Alors, je suis pas sur la bonne carte. Toi, t'es en île. Ok. Je vais me lancer, sinon, sur mes deux petites îles qu'il faut que j'aille conquérir. Je vais aller récupérer mes troupes qui sont là. Tolède. Bon, évidemment que c'est une boucherie. Je vais pas vous le cacher. On va les fumer. Revenez là. Il y a quand même 80 navires ici. 80, 80, oui, 80 navires. J'allais dire 80 000 navires, mais dans ma tête, ça me semblait beaucoup 80 000 navires. Modène, c'est un fort niveau combien? Niveau 2, bah ça passe. Ah carrément, le mec il a tenté de lever des... Il tente de lever des mercenaires ici. Enfin mec, faut que tu sois réaliste. Donc cette zone-là, je m'en suis occupé. Maintenant, il faut que j'aille m'occuper des deux petites îles que j'ai laissées encore vivantes. Faut que j'achète deux fois le gros commerce. Une fois là. Et une fois là. Comme ça, je devrais atteindre ma limite navale sans problème. Là, j'espère que mes mecs, ils ont pris tout le Portugal comme ils le pouvaient. Ah, je vous dis, quand on arrive en Europe, on arrive en Europe. Qu'est-ce qu'ils font là les Grands Bretons en plus? On est aussi en train de discuter avec les Grands Bretons. Conny, c'est un niveau 2. C'est
C'est un niveau 2, donc tu fais ça une fois, puis tu pars à Grabenstein. La Savoie, mais ils sont partout la Savoie. Non, je refuse l'épée pour l'instant. J'ai envie de vous faire chier, je vais vous faire chier jusqu'au bout. On va les utiliser justement les points. D'ailleurs, ils sont en guerre contre qui? Est-ce que j'ai la Grande-Bretagne contre la... Non. Grande-Bretagne nulle part, donc ça va. Toi, je veux que tu m'envoies... C'est quelques hommes, tu vas les envoyer pour cette île-là. Et je vais préparer quelques hommes ici pour la prochaine île. Voilà. Ils suffiront largement pour la prochaine bataille. Ça, c'est ce qu'on appelle du coloriage. On est très très bon au coloriage. Bon, le but, c'est pas de les mettre à 100%. C'est juste de leur faire comprendre qu'on est méchant. Alors. Aragon. Je veux juste te vassaliser. T'es pas encore chaud pour la vassalisation, t'inquiète pas. Je suis patient. Si tu veux, on peut attendre un tout petit peu. Je suis pas pressé plus que ça. Je veux vassaliser Aragon et les faire grossir méchamment. Et j'aimerais bien faire pareil avec la Savoie. Un accès militaire au Mali, faites-vous plaisir. Revendiquer, connaître l'unité religieuse. Non, lesquelles m'intéressent pas pour l'instant. La flotte des Ottomans, j'irais bien la péter. Mais pour l'instant, j'ai pas ce qu'il faut. Alors, là, mon but, c'est de renforcer ma puissance commerciale dans ce coin-là. Vu que c'est ici que je collecte, faut vraiment que j'ai accès au max du maximum. Normalement, il devrait être en position. Donc vous, vous débarquez. Genre le mec, il essaie de courir, quoi. On aura tout vu. Le Canada qui a quitté la coalition. Les Asturies... Ah, le pause. Puis en fait, je vais pas y envoyer l'armée lourde non plus. Hein. On va en envoyer 6, ça suffira largement. Vous passez là-bas. Vous mettez là. Voilà, on va pas non plus envoyer 200 navires juste pour en prendre 3. Et vous, si vous pouviez tenter d'aller couler la flotte espagnole... Ah, presque. Je vais me rendre compte que vous aviez encore un navire de commerce. Ce serait cool de laisser les navires de commerce bosser. Toi, tu vas aller aux Caraïbes. Là, on a presque tout le territoire ici. Du coup, je vais... Bah... Vous allez protéger ce territoire-là. Telsem. Pardon. J'ai un super jeu de mots avec Telsem. Talsem. J'essaie, il était pourri. Mais il m'a bien fait rire quand même. Les Pyrénées survivent longtemps, c'est qui ça? Pardon. Oh là là, je suis tout malade. Alors là, ça voit. Est-ce que la vassalisation, je peux l'espérer? Non, je ne veux pas vassaliser l'Espagne, je veux vassaliser la Savoie. Ah non, mais j'ai encore réussi aucun siège, c'est normal, oui, oui, c'est totalement normal, les mecs, je vous ai rien dit. Continuez de vous amuser. Bah tiens, leur faute, ils l'ont mis à quai. Ah, on va racheter encore quelques trucs de commerce dans le coin. Les canaux, non, entrepôt.
Avec ça, et je peux encore acheter ce genre de bâtiment-là. Ou est-ce que je l'ai pas fait ici? Voilà. Évidemment, toujours faire beaucoup de dépenses. Vous arrivez au navire qu'on puisse enfin débarquer? Parce que ça, c'est l'une des îles, par contre, sur lesquelles je refuse de négocier. Celle-là, il me la faut. Ok. Perdu un siège par les Ottomans. À mon avis, c'est pas important. Donc vous passez en Côte d'Ivoire. L'Allemagne qui a fait la paix avec la Tunisie. En avant. Voilà. L'une des deux dernières îles que je convoitais sérieusement. Modène. Ok, maintenant tu te casses de là. Ma flotte a dû arriver. On va se positionner ici. Oui, je sais, je gagne des sièges de partout. C'est ce qu'on appelle un viol. C'est même trop monstrueux pour être considéré comme un viol. Bah tiens, c'est occupé par l'Allemagne. C'est-à-dire que je peux traverser pour aller en Savoie. La Toscane. Non, par contre, la Toscane, j'ai pas un accès militaire en Toscane. Qui c'est qui dirige l'Empire? C'est pas Latina. Bah si, j'ai un accès. Non, pas toi par contre. Toi, tu vas aller aux Abruzzes. Ce qui est beau, c'est qu'il paraît qu'ils ont quand même 80 000 hommes. Faudrait qu'ils me disent où est-ce qu'ils les cachent, les 80 000 hommes. On s'en fout, on a le temps. Ici, est-ce que c'est intégré? Bientôt. Enfin, une fois que c'est intégré, on enchaîne. Béra, déjà, ça c'est sûr que je le donne. Ils l'ont déjà occupé. Normalement, ça c'est le dernier siège qui va tomber. Aux Abruzzes, il y avait 3 000 hommes. Ok. Est-ce que j'ai un gros groupe, un groupe assez important? Vous vous repliez où, les mecs? Vous allez être soutenus par eux et soutenus par eux. Nice. C'est le moment de voir est-ce que je peux négocier. Donc la vassalisation d'Aragon, non pas d'Aragon, c'était de lui, de la Savoie. Ah non, c'est trop cher. Je peux pas les vassaliser, mais je peux peut-être libérer quelqu'un. Dites-moi qu'il y a quelqu'un qui veut être libéré. Ah, si, si. Libérer la Provence. Ça, c'est intéressant de prendre la Provence. Ok, alors première chose que. Peut-être deuxième chose depuis le temps d'ailleurs. Vous vous regroupez. Parce qu'on va préparer un débarquement pour faire sortir leur flotte. Voilà, je pense que là, j'ai regroupé suffisamment d'hommes. Avec un général suffisamment fort pour aller mener un assaut, on va encore étendre les impôts de guerre. Et tiens, au passage, il y a l'armée de la Savoie qui est ici. Quarante-neuf%. Ah! Votre flotte, elle va tomber. Et votre flotte, je vais la détruire. Je vais pas vous rater. Alors cette île-là, elle est tombée. Et celle-là, pas encore. Alors, ouf, il s'est passé beaucoup de choses là. Donc 3 000 ducats, je m'en remettrai. Instabilité ou 50 de prestige? Le 50 de prestige.
Ok, la flotte. Et ouais, les mecs, il y avait un peu trop de navires pour vous. Ma flotte en réparation. Vous vous rentrez à ce tas. Quoique non, en fait, vous allez passer directement à Casablanca. Bon, évidemment, j'ai dû prendre plein de dettes. Merci les copains. La Ligurie. On poursuit. Ok, on y... Par contre là on y va en marche forcée. Sélectionner l'armée. Allez, allez, on y va. Une petite défaite à l'armée espagnole, ça fait jamais de mal. D'ailleurs c'est bizarre que l'armée de Savoie ici soit juste en déroute. Non, j'ai pas accès, donc on va les laisser là. Alors, est-ce que maintenant Aragon sont prêts à négocier? Ah, bientôt. Parce qu'une fois que Aragon a commencé à négocier, on va négocier, je vais vous dire, méchamment. On va attendre le début de 87. Très bonne année, 87. Donc, faut que je prépare la délivrance de la Savoie. Alors, envoyer, envoyer, couper en deux. Et oui, partout je peux en faire. Alors, normalement, là, Aragon, c'est fini pour eux. Et ben voilà, les mecs. Vous voyez quand vous voulez. Donc, Aragon passe sous mon autorité. Et ça, c'est Catalogne. Ah non, c'est plus Aragon. Ah ouais, vous revendiquez plus rien du tout, les mecs. C'est pas cool. Bon. Bon bah déjà, on va vous refiler ça. Gérone. Valence. Vous avez combien? 7, 11. 11 plus 9, 20. C'est déjà un gros morceau si je vous refile ça. J'ai pas envie de vous faire tilter. Ensuite, moi, il faut que je prenne ça. Non. Ah, la province, il n'y a vraiment plus rien du tout qui existe en province. En Provence. Si je libère le Dauphiné... ok. Alors, dans mon offre de paix, je pense que j'ai accès à beaucoup de points. Alors déjà, donc ça, 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 ça fait déjà une sacrée province à mon copain. Après, je veux le Dauphiné, Coni, je reprends. Dauphiné, Coni, Nice, peut-être pas le Dauphiné en fait. Ah, arrête de... Putain de soldat en carton. Le Dauphiné, le Languedoc, Coni et Nice. Ça, j'essaie de former là-bas le Provence. Ensuite, je veux mes petites îles. Voilà, ça normalement, ça fera le trophée mission accomplie. Ça, je peux le prendre aussi. Est-ce qu'il y a d'autres terrains qui pourraient m'intéresser? Ah oui, là-bas, il y a celui-là pour ma durée. Et sinon, il n'y a plus rien d'autre. Ouais, j'ai fait le maximum. C'est chaud, chaud, mais ça passe. Ouais, puis on va prendre ça. Ça, c'est pour le plaisir. On prend des sous. On prend des réparations de guerre.
Encore 14. On va leur enlever les une alliance. Accès militaire. Alliance avec la Savoie, Sienne. Non, ils veulent pas, ok. Donc, on va signer cette paix-là avec avec l'Espagne pour commencer. Et voilà, Ascend God. Ça, c'est l'effet de posséder toute l'Amérique du Sud. Première chose, je vais. Non, je peux pas le faire parce que je suis en guerre. J'espère que. Maintenant, c'est avec le Portugal qu'il faut négocier. Alors, pour le Portugal, je vais piquer tout ça. Et je vais redonner ça à mes copains. Ils y sont pas loin. Négocier une paix blanche avec eux, peut-être. On verra. Donc là, ce que j'aimerais négocier avec les Portugais, déjà, c'est la fin des Caraïbes que je ne contrôle pas. Ah, je peux pas prendre la capitale. Je suis à combien? 25. On va essayer de négocier avec Caraïbes indépendants. Mince, je peux pas. C'est quoi la... Non. Je vais tout prendre, toute la capitale. Ça va nous éviter de faire plusieurs passages. Donc là, tout est pris. Ensuite. Ça, c'est cool. Il n'y a pas de surexpansion. Je sais pas pourquoi, cherchez pas. Ça, pour le vassal. Ma durée, j'en veux un, je veux un sacré vassal. Lisbonne. On va isoler Lisbonne. Comme ça, au prochain coup, ils sont obligés de tomber. Bah, on va même prendre tout ça. Ensuite, on prend plein de sous. Putain, ils sont pétés de thunes. Ah, c'est vrai que j'avais oublié le Congo. Si on enlève un peu de sous. Donc on remet ça. Ça me plaît bien ça. Alors maintenant, faut intégrer. Ça oui, ça oui, ça oui, ça oui. Connie, 7, Cadiz, Grand Carou, Géorgie, Island. Endogo. Ah bah j'ai fini, j'ai épuisé mes points déjà. Et bah il y en a un paquet de trucs à faire là. Ensuite, les Allemands, l'Allemagne, ils sont en bon. Ah non, ils sont pas en temps. Je pensais que l'Allemagne, il me kifferait plus que ça. Mais en fait, pas tant que ça du tout. La Lorraine, le Bérard, la France. Les mecs. Là, ce que vous êtes en train de faire, ça me plaît pas du tout. Donc, dans l'urgence, déjà, je vais finir mes armées. Là, les troupes, on va aller les regrouper. On va se faire un regroupement. Je sais pas pourquoi, mais j'ai l'accès militaire en Espagne. Je trouve ça plutôt cool. Merci. L'Autriche, Liège, Flandre. Oh putain. Oh les mecs. Oh, on va se calmer là. Je suis certes balèze, mais j'ai mes limites quand même. Déjà, on va aller améliorer tout de suite les relations avec eux. Va plus être mon copain la Russie. Qui est-ce qui veut être mon copain? La Suède me déteste. Tous les pays du monde me détestent en fait. Il n'y a que la Russie qui pourrait m'aimer. Bon, déjà, le temps de la replacer toutes ces troupes-là ici. En guerre contre Kazan.
Attendez, il y a des guerres, je les comprends pas non plus, je sais pas pourquoi je suis dedans. Vous, vous remettez sur Cardiz. Enfin, au milieu ici, pour commencer. Hop. J'ai pas un énorme trou d'homme. Vous, vous allez en à Algarve, c'est bien Algarve. Tout a été intégré quasiment. Parce qu'une fois que c'est intégré, il faut que j'y retourne sur Bérard. J'avais acheté des trucs, oui, vous. Vous partez en Côte d'Ivoire. Est-ce que j'ai d'autres navires qui servent à rien? Non, j'ai beaucoup de trucs qui se construisent. Ces 6 navires-là, vous partez récupérer les copains. Vous, vous vous positionnez là. Ça va être très chaud là. Parce que je sais pas pourquoi, mais je les sens un peu enragés contre moi. Donc j'ai vraiment envie de ramener beaucoup de monde en Europe. Je veux avoir minimum du 400 000 hommes par province. Tu vas revenir ici. Vous, vous allez rester là parce que... on n'est pas à l'abri d'un petit processus de révolte dans le coin. On les connaît les mecs. Hein. Vous, vous n'êtes pas très très nombreux pour gérer le coin. Réduire, revendication, je m'en fous. Je vais m'arrêter là. Allez, on dit à demain pour la suite. Parce que là en Europe, j'ai vraiment dit coucou tout le monde, j'arrive. Et eux, ils ont dit coucou toi, on t'a vu. Allez, ciao.